Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur ce magnifique casque qui est sorti aujourd'hui. Une pure merveille. Jusqu'à un peu plus de 800 chevaux. Et vous pouvez lui mettre aussi un chargeur, mais on va voir ça ensemble. Alors là, ce qui est bien déjà, c'est quand vous arrivez dedans. Voilà, par exemple, vous voulez monter dedans. La portière s'ouvre, elle se ferme toute seule. Et quand vous descendez, voilà, elle se referme toute seule. Après, vous n'avez pas d'autre option. Donc, voilà, la vue intérieure, etc. Vous ne pouvez pas ouvrir les portes, etc. Vous avez juste la rampe lumineuse avec les deux gyrophares LED, le choix de la couleur. Et là, voilà, c'est celui-ci. Franchement, il est top. Alors là, je vous le recommande fortement. Voilà, c'est le Casillage Magnum 340 série 400 édition spéciale FL. Voilà, bon, vous avez plusieurs motorisations, plusieurs. Voilà. Là, je vais vous. Au minimum 391 et au maxi 886. Après, vous avez bon, bah, les choix des pneus habituels. Voilà, en pneus larges. Large roue double avec poids. Voilà, vous avez plein de configurations. Voilà, vous avez même les poids à l'intérieur quand vous le mettez en roue jumelée. Franchement, il est vraiment top ce tracteur. Après, vous avez voilà la version américaine ou la version européenne. Après, vous avez le voilà l'attelage à l'avant ou les masses, voilà ce que vous voulez. Vous pouvez lui mettre une chargeuse à l'avant. Après, vous avez plein de petites couleurs. Franchement, il est vraiment top. Par exemple, vous le voulez en. Je sais pas, je vais vous le faire d'une autre couleur. Puis vous avez plein de voilà, couleurs flashy. Voilà. Vous pouvez aussi changer la couleur du siège. Je vais mettre une couleur différente. Comme ça, vous verrez. Voilà, vous voyez, là j'ai mis le siège en bleu. Après, vous pouvez changer la couleur intérieure. Voilà, bah, tout sera rouge à l'intérieur. Et puis, bah, la couleur des jantes, c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, là j'ai mis en doré. Et après, bah, la plaque, voilà, c'est à vous de personnaliser, etc. Et après, quand vous êtes dedans, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il roule à 68 km/h. Voilà, je lui ai mis les chenilles. Et là, franchement, même à l'intérieur, vous êtes. Voilà, vous êtes dedans quoi, c'est impressionnant. En dehors du JCB et puis du tracteur un petit peu modé, c'est vraiment le plus rapide. Ah, franchement, une maniabilité du tonnerre. Et ça, c'est le tracteur qui était déjà sur la carte New Jersey. Il était déjà modé. Et là, voilà, hop, j'ai fait exprès de. Voilà, je lui ai mis
Voilà, la chargeuse avant. Et c'est bien, vous avez vu, il y a le tuyau qui apparaît. Franchement, c'est super bien fait. Et là, voilà, une fois que vous avez dans ce tracteur-là, voilà, vous allez sur le tracteur, vous faites R3 combinaison, vous avez le chargeur qui va avec. Et il y a des fois, il faut, par exemple, bon, ben, vous avez ce chargeur-là. Bon, vous pouvez mettre tout ce qui est chargeur frontal. Et la petite option, quoi, les petites options supplémentaires, voilà, vous pouvez mettre tout ce qui est aussi chariot télescopique. Il suffit de le paramétrer dans votre magasin. Et tout ce qui est chargeur sur pneu. Donc voilà, comme ça vous êtes quitte d'avoir 56 000 outils ou des adaptateurs, etc. Là, vous choisissez votre fonction au départ. Et ensuite, eh ben, voilà, vous choisissez, vous mettez un gros godet. Voilà, par exemple, moi je vais mettre chargeur sur pneu. Après, ben, pareil, vous avez voilà, les différentes couleurs. Vous pouvez aussi changer la couleur des vérins. Voilà. Et un joli bruit moteur aussi. Voilà, par exemple, bon ben là j'ai pris par exemple, pour la chargeuse sur pneu. Voilà, là je veux par exemple, je sais pas, je vais vous prendre n'importe quoi, je sais pas quoi encore, mais enfin, je vais vous prendre un godet. Non, on va prendre la grosse fourche à ensilage. Voilà, normalement, vous voyez, vous pouvez mettre ça ou sinon avec des adaptateurs. Et là, voilà, hop. C'est fait, ça bouge pas, ça tient, ça. Et vous avez même vraiment le bruit des animations. Moi, là, je l'ai dans le casque, mais franchement, il est super bien. Et je vous le recommande à 100%. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!